Je vais aller au château me présenter au... C'est pas par là. Me présenter au roi local. Ouah, je me suis perdue. Si c'est là-bas au fond. Ouah, je sais plus. On finira par trouver. Enfin, au roi, au Riyarl, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux cuisiner? J'aimerais bien avoir un recensement des endroits où je peux cuisiner, parce que ça me manque un peu. Palais bleu, nouvelle découverte. C'est si excitant quand de nouvelles personnes arrivent en ville. Bonjour. Je parie qu'il vous est arrivé plein d'aventures. Oh oui. Les impériaux font du bien au commerce, et le commerce est bon pour Port-de-Ciel. Ah. Peut-être que je soutienne les impériaux plutôt que les sombrages alors. Bonjour, bonjour. Je viens me présenter. Veuillez ne pas interrompre le tribunal. Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Alors envoyons immédiatement une légion fouiller la grotte et sécuriser la ville. Tant que j'occuperai ce poste, les citoyens d'Afingar seront toujours en sécurité. Ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans les environs. Pont Dragon est sous contrôle impérial. Il s'agit sûrement de superstitions ridicules. Peut-être qu'une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Ah, oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pont Dragon. Merci, Jarl et Lissif. Mais au sujet de la grotte... Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. Bonjour. Faites vite, si c'est pour parler à faire, adressez-vous à Falk Barbebraise, mon chambellan. Très bien. Pourquoi Ulfric a-t-il tué votre mari? Parce que c'est ce que font les lâches quand ils veulent plus de pouvoir. Ulfric convoitait le trône du roi. Il pensait le mériter davantage que Thorig. Il est arrivé devant mon mari et il a crié, avec cette voix terrible, comme s'il sortait tout droit d'une légende ou d'un cauchemar. À peine Ulfric avait-il lancé son attaque que mon mari a cessé d'exister. Je n'en dirai pas davantage car la douleur est encore très présente. Ah, parce qu'en plus c'était pas vraiment un duel... Legit, quoi. Est-ce que vous faites confiance au général Tullius? C'est une question que me posent souvent mes propres Tan. Ça inquiète les gens que Tullius soit aussi obnubilé par la guerre et qu'il en oublie le bien-être de notre peuple. Mais l'ironie, c'est que le général Tullius n'est pas un nordique. Pourtant, les citoyens de Bordeciel seraient perdus sans lui. Mon peuple n'accorde pas facilement sa confiance à autrui. Mais nous devons nous en remettre aux directives de Tullius. Nous n'avons pas d'autre choix. Vous êtes la haute reine de Bordeciel? Non, pas encore. Bien que mon mari Thorig ait été le haut roi et que je sois sa veuve, le moment n'est pas venu pour revendiquer un tel titre. Ce pays est déchiré par la guerre et le peuple en souffre. Les sombrages sont un véritable fléau en Bordeciel et, comme tout fléau, il faut les éradiquer. Alors seulement pourrais-je revendiquer le titre légitime de haute reine. Très bien. J'ai presque envie de rejoindre la Légion impériale du coup. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour aller jeter un œil à la grotte du crâne de loup? Parce que je vous ai entendu en parler juste avant en arrivant. Oh, je pensais que cette affaire était réglée. Je crois que c'est Falk qui s'en charge. D'accord. Faites attention. Priez pour Solitude et mon mari. Faites vite. J'ai horreur des mondanités. Je suis le chambellan du Jarl. Pour les affaires liées à la cour, c'est à moi qu'il faut vous adresser. Très bien, j'ai entendu dire que vous cherchiez de l'aide à propos de la grotte du crâne de loup. Vous parlez de l'affaire de Pondragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Oh. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des surnaturel. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages.
Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. Très bien. Qu'est-ce qui arrivera à Elisif si l'Empire gagne la guerre? Ça reste à voir. Elle a des droits légitimes sur le trône et pourrait être couronnée hautraine de bord de ciel. Mais il nous faut le soutien des autres Jarls pour donner du sens à cette requête. S'ils acceptaient son règne, la paix serait assurée. Est-ce que le général Tullius respecte Elisif? Bien entendu. Quelle question. Bon, c'est jamais. Vous avez sûrement parlé à Ericur. Les Tannes se sont laissés aller à des propos déplacés. Et je le soupçonne d'en être à l'origine. Si vous voulez que cette ville continue à vous accueillir comme elle le fait, ne prêtez aucun crédit à ces rumeurs. Elle est peut-être jeune, mais Elisif et Jarl par la loi. En bord de ciel, envers et contre tout, nous respectons les traditions des pères de nos pères. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Très bien. Pourquoi appelle-t-on cet endroit la grotte du crâne de loup? La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. Ok, ok. Bah, du coup, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Tout le monde peut s'exprimer librement au Palais Bleu. Faites-vous. Si j'avais besoin de vous, vous le sauriez. Très bien, mais moi j'ai Ainsi, besoin de vous. Ainsi, vous souhaitez maîtriser les arts des arcanes. Les arts des arcanes. Alors, est-ce que je lui vends au Mikla? Non, je suis censée le garder. Par contre, j'ai des tenues à vendre normalement. Voilà, robe de Talmor. En plus, elle pèse un peu lourd. Hop. Ah, j'aurais dû mettre ça avant de lui parler. C'est le genre de truc qu'on oublie tout le temps de faire. On va lui vendre tout, hein. De toute façon, on en retrouvera plus tard. Ah! On va pas tout lui vendre. Ah oui, des livres de sorts. Ah, peut-être... est-ce que ça m'intéresse un livre de sorts? Ça, c'est une bonne question. Moyenne barrière, peur. Je pourrais mettre des pièges par terre, ça peut être sympa. Hein. Je ne sais pas trop. S'il lance ça, ça m'intéresse par contre. On va prendre ça. Soin rapide, ça peut être intéressant aussi. Toucher apaisant, redonne 15 points de santé à la cible par seconde, à condition qu'elle ne soit ni un mort vivant, ni un atronach, ni une machine, évidemment. Et après, limite, je pourrais prendre... livre de sort arc-lié, mais il faudrait que je sois plus forte en conjuration. Et je peux prendre un sort corps de pierre pour avoir une meilleure armure. Allez, peut-être que j'abuse parce que je joue pas vraiment magie, mais bon, je me dis que ça peut aider. Non, je veux pas une formation en magie. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le monde pullule de gens prêts à vous trancher la gorge. Ouais, j'avais remarqué. On va lire les livres. J'ai du matériel de réparation. Il vous faut... Ah oui, c'est vrai. J'en ai plus besoin, je crois, ça. Conjuration. Bon, on va s'entraîner. Et il y avait... Ça, c'est bien. Alors, on va... Non, c'est F. Pour mettre dans les favoris. Silence. Et donc ça c'est mieux. Je vais jamais avoir assez de magie en fait. Donc c'est un peu débile. Là, j'ai le sort de transmutation. bon, très bien. Animal. Je crois qu'il va falloir que j'augmente ma magie quand même. Ah. Bon, allez, je vais rejoindre la garde impériale plutôt que
plutôt que les sombrages. Des ennuis. Vous pouvez vendre cette vieillerie chez Bric-à-Brac. Bonjour, Général Tullius. Les hommes laissent-ils n'importe qui se promener librement dans le château ? Avez-vous une bonne raison d'être ici ? Oui. J'étais à Elgen. Ah oui, Elgen. Ouais, il a un pitch. Vous étiez parmi les prisonniers, si je me souviens bien. Il fait une petite danse. Oui. J'ai aidé Advar à s'échapper, il a dit qu'il se porterait garant de moi. Advar est en vie ? J'espère que c'est vrai, c'est un soldat exemplaire. Mais comme il ne s'est pas encore présenté, il ne peut pas confirmer votre histoire. C'est embêtant. En attendant, allez donc parler aux légats Rique. Je crois que nous pourrions avoir besoin de quelqu'un d'aussi habile que vous. Rares sont ceux qui ont survécu à Elgen. De plus, je suis certain que votre emprisonnement n'était qu'une terrible méprise. Ce serait de la folie. Il n'y a pas assez d'hommes. Mes éclaireurs disent le contraire. Sa cause attire de plus en plus de partisans. Il a l'appui de Fayez, Aubétoile et Fort d'Hiver. C'est pas une cause. C'est une rébellion. Appelez ça comme vous voudrez, Général. Mais il va bel et bien tenter de prendre Blancherive. Jarl Balgruuf. Balgruuf s'oppose au droit de la Légion de poster des troupes dans sa ville. D'un autre côté, il refuse également d'accepter la revendication d'Ulfric. S'il refuse la protection de l'Empire, tant pis pour lui. Qu'il vienne pas pleurer quand Ulfric pillera sa ville. Mon Général. Vous et vos maudits Jarls. Chef, vous ne pouvez pas forcer un Nordique à accepter de l'aide. Si Ulfric compte s'emparer de Blancherive, nous devons être là pour l'arrêter. Rédigez une autre lettre avec les platitudes habituelles, mais cette fois, glissez quelques renseignements sur les plans d'Ulfric. Brodez si nécessaire. Nous ferons comme si c'était son idée. À vos ordres. Ah, les Nordiques. Vous et votre maudit sens de l'honneur. Chef. Eh ben. Donc Blancherive est plutôt impériale. Vous étiez à Elgen et vous êtes toujours en vie. Le général Tullius m'a raconté ce qui s'est passé. Peu ont survécu. J'ai un bon pressentiment à votre sujet. Et croyez-moi, c'est rare. Une guerrière sait faire confiance à son instinct. Nous n'allons pas suivre la procédure habituelle. Je vais vous faire passer un petit test. Si vous réussissez, vous aurez peut-être une chance d'intégrer la Légion. Quel genre d'épreuve ? Il s'agit d'une épreuve qui me permettra d'évaluer vos capacités sous pression. Je vous charge de nettoyer Fort Rakstad. Si vous survivez, votre test sera considéré comme réussi. Si vous mourrez, eh bien, votre cadavre ne me sera d'aucune utilité. Effectivement. Que se passe-t-il là-bas ? Les anciens ont bâti un grand nombre d'efforts qui parsèment les étendues de bord de ciel. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont en ruine et envahis par les bandits ou les vagabonds. Fort Rakstad est l'un des seuls à être encore presque entièrement intact. Nous comptons y poster une garnison, mais d'abord vous devez déloger les malfrats qui y ont élu domicile. J'y vais sans personne ? Oui, c'est un test. Ah ouais ? J'ai l'impression que vous avez quelque chose en plus, et je veux voir ce dont vous êtes vraiment capable. C'est comme si ce phare était déjà à vous. C'est ce que je voulais entendre. Eh bien, au travail, soldat. Très bien, très bien. Ça va Moi pas être facile. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. C'est ballot. Moi, je me suis pris beaucoup de flèches. Pas que dans le genou. Bon, est-ce qu'on peut faire à manger ? Salut. Ouais, salut. Je sors du mauvais côté en plus. Oh, je me suis perdue. C'est par là. Pour retourner à l'auberge. Tu me parles depuis en bas, là ? Je me demande comment se sentent les Talmors après la leçon qu'ils ont reçue. C'est un peu n'importe quoi. Bon, je pense que ouais, ça c'est tout verrouillé, donc on ira au Bric-à-Brac demain.
il est un peu fou. Et on va passer la nuit au Ragnar pervers. Il n'y a vraiment aucun endroit pour... Alors on va visiter un peu mieux, parce que je veux cuisiner. Si vous voulez des ragots, je peux vous en raconter un ou deux. Il me propose, bah allez, c'est parti pour les ragots. Bienvenue au Ragnar pervers. Vous avez entendu des rumeurs? On dit qu'il y a un homme qui traîne dans les rues près du Palais Bleu. Il semble bouleversé, mais ses propos sont incompréhensibles. Ah. Très bien. La prochaine fois que vous aurez mal aux pieds, pensez au Ragnar pervers. C'était par là les champs. Oh, il y a une petite fille. C'est ton lit ici. Minette. Elle s'appelle Minette. Salut, c'est quoi votre nom? Vous êtes de passage? Vous faites quoi? Bon. Est-ce qu'il y a une cuisine là-dessous? Bouteille de vin vide. Pas trop de quoi cuisiner dans le coin. Et en haut, je pense qu'il n'y a que des chambres. Il y a des gens là. Bon, on peut pas cuisiner ici. Merde. J'ai volé une assiette. D'hiver. Pas dans d'hiver? Ah si, bol en bois. Je vous l'ai rendu. Allez, il est minuit, non, 1h du matin, donc on va attendre 8h. Hop.